vue de ta fenêtre, c'est quoi les quatre grands piliers pour les quatre points de checklist pour un projet Big Data? Je crois qu'il faut qu'on arrive à coordonner en fait quatre compétences, enfin quatre streams. D'abord, trouver les use cases. Parce que si on part juste avec de la donnée et de l'informatique, ça ne le fait pas. Donc il faut vraiment trouver les use cases et convaincre les gens que ces use cases ont un retour sur investissement. Mais que ces use cases ils soient implémentables dans le système d'information, pas juste une étude. Le deuxième stream, c'est de trouver les data scientists qui vont permettre de travailler sur les problématiques de modélisation, de statistiques et de mathématiques. Et ces data scientists ne sont pas faciles à trouver. Il y a différents profils, il faut qu'on arrive à les accrocher ensemble. Le troisième stream, c'est l'infrastructure. Il faut sourcer les infrastructures, la Hadoop, le hosting de tout ça. Et ça coûte plus cher qu'on ne le croit. La dernière chose à laquelle on ne s'attend pas et qui est la plus compliquée, c'est de la donnée. Si on n'a pas les données, on ne peut pas faire jouer les use cases et les data scientists dessus. Or, la donnée, elle prend du temps à amener à l'intérieur de cet écosystème. Donc voilà, les quatre à mener en même temps, parce que s'il y en a un qui est en retard, ça déséquilibre les autres, et du coup, on met tout à temps.